Vous avez des plats, des poêles et des appareils de cuisson à ne plus savoir qu'en faire? Vous en utilisez un pour rôtir, un pour griller et un autre pour servir? Ils prennent trop de place et les nettoyer est toujours un calvaire. Eh bien, vous pouvez les remplacer tous par celui-là d'une grande marque américaine spécialisée dans la batterie de cuisine et élu meilleur produit de l'année dans sa catégorie. Copper Chef vous présente son tout nouveau Copper Chef Wonder Cooker. C'est à la fois une rôtissoire, un four hollandais, une marmite, un panier à légumes. C'est le premier multicuiseur au monde, extra large et anti-adhérent, doté de 14 fonctions. Faites cuire sur votre cuisinière et dans votre four. Faites rôtir à la perfection cette grosse dinde dans votre four et faites la sauce dans le même plat sur la cuisinière. Il remplace à lui seul toute votre batterie de cuisine. Faites rôtir jusqu'à 6 coquelets farcis, 6 croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Fermez le couvercle et ça devient un four hollandais. Il garde toute la vapeur et la saveur à l'intérieur. Il est parfait pour faire mijoter de la viande et même pour faire cuire du pain. Vous pouvez faire rôtir un très gros jambon dedans et transformer le couvercle en rôtissoire pour les plats d'accompagnement. Et il peut aussi servir de poêle à frire. Génial pour les steaks et le fromage fondant. Wonder Cooker est en fonte d'aluminium, plus épaisse que celle de nos concurrents. Il est donc à la fois très résistant et léger, et notre innovante plaque à induction en acier inoxydable des deux côtés chauffe le feu tout rapidement et uniformément. Vous pouvez donc bien saisir la viande. Et comme vous cuisinez avec Ceramitech, une formule de céramique anti-adhérente, rien ne colle. Regardez comme ce brûlé s'enlève facilement, incroyable! Même tout ce sucre brûlé n'est pas un problème pour la Ceramitech. La Ceramitech résiste à de très hautes températures, il est 100% sans produits chimiques PTFE ni PFOA. L'ensemble de deux pièces Wonder Cooker est doté de 14 fonctions. Le bœuf cuit à l'étouffée est très tendre. Faites un chili bien relevé pour une grande tablée, des steaks grillés comme par un pro. Et vous avez une surface anti-adhérente idéale pour votre barbecue. Faites cuire jusqu'à 16 aiguillettes de poulet. Faites frire des aliments croustillants, comme des rondelles d'oignons farcies au fromage ou des gâteaux selon la recette d'Eric Tess. Vous pouvez remplacer toute une batterie de cuisine qui vous coûterait très cher par un seul Wonder Cooker. Restez avec nous pour voir nos tests de cuisine et comparer Wonder Cooker aux batteries de cuisine les plus populaires actuellement. Eric Tess est un des chefs les plus populaires de la télé américaine. Il est expert en gastronomie et a écrit des livres à succès. Eric partagera ses meilleures recettes avec le Wonder Cooker de Copper Chef. Alors accueillons nos invités Eric Tess et Denise Repko. Laissez-moi vous présenter la nouveauté de la marque Copper Chef, le Wonder Cooker. Waouh ! Il est beau, non ? Il a une contenance vraiment extraordinaire. Il est fait en aluminium, un aluminium très épais. Soulevez-le. J'allais justement vous le demander, car dans le mien, en aluminium aussi, je ne peux pas mettre une dinde, sinon... Oh mon Dieu ! Sinon, je ne peux plus le soulever. Il est incroyablement léger. Le vôtre est déjà trop lourd à vide. Le nôtre doit peser deux fois moins. La fonte d'aluminium répartit bien la chaleur au fond. Ah, très bien. Et aussi sur les côtés. Ce qui vous donne une magnifique dinde rôtie. Magnifique, oui. Très bien. Alors, je vais vous en couper un morceau. Un morceau de blanc. Oh, waouh ! Un délicieux morceau de dinde et je sais que vous aimez la peau. Oh oui, c'est parfait ! Regardez ça. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est comme ça que vous voudriez toujours pouvoir cuire vos dindes. Je sais que vous mourrez d'envie de goûter, mais il va falloir attendre. D'accord. Je vous ai dit qu'il pouvait remplacer 14 choses. Vous pouvez aussi faire votre sauce dedans. Ah oui ? Parce qu'on peut aussi le mettre en toute sécurité sur la cuisinière. Nous allons faire une sauce toute simple, avec le jus qui est sorti de la dinde. Très bonne idée. Voilà, elle va s'épaissir en quelques secondes. Oh, on dirait... Oh mon Dieu, oui, elle est prête ! Oh, regardez-moi ça. Regardez comme elle coule le long de votre délicieux morceau de dinde croustillante. Oh. Merci, c'est extraordinaire. Voilà, Denise. Alors, c'est pour vous. Enfin. Vous avez bien fait d'attendre, non? On va voir ça. La peau est croustillante et délicieuse. Et la chair est moelleuse. Oh mon Dieu! Si je faisais cuire une dinde, je voudrais qu'elle ait le goût de celle-ci. La nourriture coûte cher, n'est-ce pas? Nous en avons besoin pour vivre, alors il nous faut les bons outils pour les cuisiner. Alors, j'ai une chose importante à vous montrer, parce que je n'arrête pas de vous parler de fonte en aluminium épais. Mais je voudrais montrer ce qu'habituellement les gens utilisent. Voilà. Vous voyez comme la fonte d'aluminium des nôtres est épaisse sur toute la surface du fond et des côtés. Et en plus de ça, nous avons l'induction au fond. Ceux-là ne l'ont pas. Très bien. J'ai une autre surprise. Souvenez-vous. Je vous ai dit qu'il remplaçait 14 choses, d'accord ? Alors, si je vous disais que notre couvercle peut servir aussi de poêle à frire. Waouh ! Avec l'induction aussi ? Absolument, Denise. C'est un Copper Chef. Alors maintenant, il va y avoir encore plus de chaleur ici et là. La plupart des surfaces non adhérentes ne résistent pas à de très hautes températures. Ça ne peut pas donner de bons steaks. Non. Il leur faut de la chaleur. Oh, regardez-les. Et maintenant, nous allons les couper. On peut déjà voir qu'ils sont saisis à souhait. Ah oui, waouh.
Qu'en dites-vous ? Oh, et regardez tout ce jus qui en sort ! Et pour moi, c'est la raison pour laquelle les gens vont tomber amoureux de Copper Chef. Je vous crois. Ils vont adorer le fait qu'on puisse faire cuire à très haute température, une température incroyablement haute, et ensuite, le nettoyage est un jeu d'enfant. C'est incroyable, vous n'avez qu'à l'essuyer, il est parfaitement propre. Vous avez vu ça ? Ouais. Vous remarquez la différence ? En un seul coup d'éponge. Waouh, je l'adore déjà. Voilà, c'est fait. Rappelez-vous que nous pouvons saisir notre nourriture avant de la cuisiner. J'entends bien que ça la saisit. Et vous pouvez le sentir aussi. Regardez ça. C'est incroyable. Et en faisant ça, nous ajoutons d'incroyables saveurs. Et la seule chose qu'il nous reste à faire est de relever encore le goût. On commence par un peu d'ail. Alors, laissez-moi vous aider. Ceci est un mirepoix, une façon élégante de couper les carottes, le céleri et les oignons. Vous m'apprenez toujours de nouveaux termes. Mirepoix. Ouais. C'est un mot très ancien. Oh, du vin ? Oui, on rajoute un peu de vin. C'est très bon. Et ça, c'est quoi ? Oh, nous ajoutons un peu de bouillon. Ah oui, du bouillon de bœuf. C'est tout à fait ça. C'est magnifique. On va juste les recouvrir. Et on s'arrête là. Ah, c'est appétissant. Merci. Ça donne faim. On rajoute ensuite des herbes. Ah. On les enlèvera à la fin. Mais elles vont apporter beaucoup de goût. Magnifique. Notre couvercle permet de garder les saveurs. Donc, en mettant le couvercle sur notre Wonder Cooker, il devient le meilleur four hollandais qui soit. Enlevez le couvercle et... regardez-moi ça. Oh, j'en perds les mots. Restez avec moi, car ce n'est pas fini. Ah bon ? Rappelez-vous, il est multifonction. Le couvercle est une des meilleures cocottes qui soit. C'est un gratin de pommes de terre, non ? C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Oh mon Dieu, ça a l'air délicieux. Magnifique. Les résultats sont superbes. Et le nettoyage, un jeu d'enfant. Il peut contenir beaucoup de pommes de terre, dites-moi. Oui, beaucoup. Voilà, je vais prendre mes pinces pour nous assurer que la viande est bien tendre. Ah, et oui. Elle est si tendre que les morceaux se détachent. Vous avez laissé un os à l'intérieur ? Oui, je ne suis même pas certain de pouvoir attraper les os. Essayons, regardez-moi ça. Oh mon Dieu ! Génial ! Et c'est voilà. C'est comme ça qu'on les aime. C'est comme ça qu'on aime nos côtelettes. Et grâce à sa grande contenance, vous pouvez nourrir une grande tablée. Il en reste beaaucoup. Je vous vois venir. Je commence à vous connaître. Bouchez pour moi. Et je ne vais pas vous attendre, voilà, j'y goûte tout de suite. Oh, bon sang ! Et c'est aussi bon que ça en a l'air. Et c'est tellement fondant dans la bouche. Tout à fait, c'est excellent. Vous savez pourquoi ? C'est génial de cuisiner au four, mais... surtout grâce à la plaque à induction dans le fond. C'est étonnant aussi de l'avoir convertie en une mijoteuse. Rien qu'en ajoutant notre plaque à induction. Parce que tout ce que vous avez à faire est de le régler et c'est tout. Vous vous occupez d'autre chose. Et il s'éteint tout seul. Je ne peux donc pas rater mon plat. Waouh. Waouh. Vous voyez ça, des fourchettes en plastique. Testons avec ça pour voir si la viande se détache vous bien. Croyez que... À votre avis ? Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Regardez, je l'ai laissé à petit feu dans le four pendant des heures. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu une viande se détacher si bien. Mon plat préféré avec une fourchette en plastique. Oh mon Dieu, vous avez vu ça ? Je veux goûter à ces macaronis au fromage. Ah, les voilà. Alors je mets un peu de ces macaronis au fromage dans ce bol. Et moi, j'attrape des fourchettes au cas où vous passiez par là. Ce n'est pas prêt. Il faut rajouter ces effilochés de porc braisés par-dessus. Voilà, regardez ça. Et nous n'avons plus qu'à recouvrir le tout par un peu de sauce à barbecue. De la sauce à barbecue ? Oh, bon sang. C'est trop beau pour le manger. Il n'y a rien de trop beau pour être mangé. Oh mon Dieu, ça sent bon. C'est le genre de plat qui fait du bien au moral. Vous en pensez quoi ? C'est de loin mon plat préféré. Vraiment ? Vous m'accorderez bien une petite danse alors. C'est excellent. Très bien, mais rappelez-vous qu'il a 14 fonctions. Oui. Le Wonder Cooker est également une incroyable friteuse double. Vous avez vu sa contenance ? C'est incroyable. C'est génial de pouvoir faire frire deux choses différentes dans le même bac. C'est super, oui, d'avoir deux paniers. J'adore ça, mais là, il faut vraiment que je goûte. Mais oui, allez-y. Ils ont l'air sincèrement juteux et croustillants. J'ai raison. Goûtons-les. Vous commencez toujours par la peau. C'est ce que je préfère. Je commence à vous connaître. Oh, c'est excellent. Vous avez des plats, des poêles et des appareils de cuisson à ne plus savoir qu'en faire ? Vous en utilisez un pour rôtir, un pour griller et un autre pour servir ? Ils prennent trop de place et les nettoyer est toujours un calvaire. Eh bien, vous pouvez les remplacer tous par celui-là d'une grande marque américaine spécialisée dans la batterie de cuisine et élu meilleur produit de l'année dans sa catégorie. Copper Chef vous présente son tout nouveau Copper Chef Wonder Cooker. C'est à la fois une rôtissoire, un four hollandais, une marmite, un panier à légumes. C'est le premier multicuiseur au monde, extra large et anti-adhérent, doté de 14 fonctions.
perfection. Faites cuire sur votre cuisinière et dans votre four. Faites rôtir à la perfection cette grosse dinde dans votre four et faites la sauce dans le même plat sur la cuisinière. Il remplace à lui seul toute votre batterie de cuisine. Faites rôtir jusqu'à 6 coquelets farcis, 6 croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Fermez le couvercle et ça devient un four landais. Il garde toute la vapeur et la saveur à l'intérieur. Il est parfait pour faire mijoter de la viande et même pour faire cuire du pain. Vous pouvez faire rôtir un très gros jambon dedans et transformer le couvercle en rôtissoir pour les plats d'accompagnement. Ou empiler-les pour faire rôtir dessus et braiser en dessous, le tout en même temps. Et il peut aussi servir de poêle à frire. Génial pour les steaks et le fromage fondant. Wonder Cooker est en fonte d'aluminium, plus épaisse que celle de nos concurrents. Il est donc à la fois très résistant et léger, et notre innovante plaque à induction en acier inoxydable des deux côtés chauffe le feu tout rapidement et uniformément. Vous pouvez donc bien saisir la viande. Et comme vous cuisinez avec Céramitech, une formule de céramique anti-adhérente, rien ne colle. Regardez comme ce brûlé s'enlève facilement. Incroyable! Même tout ce sucre brûlé n'est pas un problème pour la Céramitech. La Céramitech résiste à de très hautes températures. Il est 100% sans produits chimiques PTFE ni PFOA. Sa plaque à induction le rend idéal aussi bien pour les cuisinières à gaz, électriques, en vitrocéramique ou à induction. Et surtout, le Wonder Cooker de Copper Chef passe au lave-vaisselle. Placez la partie la plus profonde sur une plaque à induction et il devient une mijoteuse. L'ensemble de pièces Wonder Cooker est doté de 14 fonctions. Le bœuf cuit à l'étouffée est très tendre. Faites un chili bien relevé pour une grande tablée, des steaks grillés comme par un pro. Et vous avez une surface anti-adhérente idéale pour votre barbecue. Faites cuire jusqu'à 16 aiguillettes de poulet. Faites frire des aliments croustillants comme des rondelles d'oignons farcies au fromage ou des gâteaux selon la recette d'Eric Tess. Vous pouvez remplacer toute une batterie de cuisine qui vous coûterait très cher par un seul Wonder Cooker. Regardez-moi ça. Waouh ! Six magnifiques coquelets. Six coquelets magnifiques. C'est génial de pouvoir tous les mettre dedans. Regardez comme ils sont tous parfaitement rôtis. Oh, ils sont superbes. C'est parce que vous avez besoin du bon outil pour faire du bon travail. Et qu'est-ce qui est excellent avec le poulet rôti ? Le pain cuit au four hollandais. Ah d'accord. Vous voyez, voilà, on verse la pâte dans le couvercle. Wow. Ensuite, nous prenons la partie haute du Wonder Cooker, on le retourne et on recouvre le tout. Ah. C'est exactement tout ce dont nous avons besoin pour obtenir une croûte croustillante et croquante. C'est vraiment génial. Alors, j'en avais déjà un de fait. Pour tout dire, je n'ai plus fait de pain maison depuis une vingtaine d'années. Waouh, il est énorme. Il réunit toutes les conditions pour cuire le pain à la perfection. Regardez, oh, il est croustillant à souhait. Oh mon Dieu. Et à l'intérieur, la mie voilà. À l'intérieur. Oh là là, regardez ça. Oh, j'en veux un morceau. Enfin. Je vais le goûter tout de suite. Vous avez vu comme il est croustillant. Oh, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un pain aussi craquant. Vous auriez imaginé ça? Du pain dans un four hollandais. Maintenant, je vais vous faire un truc amusant. Vous connaissez les anneaux d'oignons? Bien sûr. Et les anneaux d'oignons au fromage? Non. Alors vous prenez vos anneaux et vous les emboîtez comme des poupées russes. Puis, vous intercalez des morceaux de mozzarella. Ça va donner des beignets d'oignons au fromage, c'est ça? C'est ça. On rajoute ensuite de la farine. De la farine. On trempe le tout dans de l'œuf. On recouvre le tout de pâte. Voilà, comme ça. Et puis, nous le déposons dans notre friteuse. J'en ai déjà un de tout près qui n'attendent que vous. Et j'ai vraiment hâte que vous goûtiez ça. Alors j'attrape celui du haut. Est-ce qu'il croustille? Eh oui! Est-ce qu'il est fondant? Waouh! Oui. La moitié pour vous? Merci beaucoup de partager. Ça croustille! C'est de la mozzarella fondante et des oignons frits, le tout en un. Le tout en un, délicieux. Avec les autres cocottes de ce genre, vous ne pouvez pas saisir aussi bien. Elles servent seulement à mijoter. Vous devez donc faire revenir à la poêle avant. Avec Wonder Cooker, pas besoin de passer à la poêle avant. Nous sommes en train de cuisiner maintenant des cuisses de poulet et on va lui donner une touche italienne. Ok, très bien. Des tomates pelées en boîte, pas chères. Et facile à faire, non? Très facile, oui. Regardez ce que je fais là. Je recouvre de sauce tomate. Et j'ajoute des légumes. Parfait. Pour finir, je verse du bouillon jusqu'à pratiquement recouvrir le tout. Ça a l'air tellement facile. C'est vraiment très simple. Et j'en ai ici de tout près qui ne demandent qu'à être mangés. Ouh. Toutes les saveurs restent à l'intérieur. Que vous laissiez mijoter pendant de longues heures ou que vous fassiez un plat plus rapide. Je sens que vous allez me parler de nettoyage. Mais oui, parce que ça colle. Vous allez avoir du mal à enlever tout ça. Oh, Denise, regardez-moi ça. Regardez comme tout se nettoie facilement. Je n'y crois pas. Ça y est, c'est propre. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous en dites? On ne dirait pas que vous venez de cuisiner dedans. Maintenant, je vais vous faire un gâteau à plusieurs couches. Bien. Je fais des trous avec cette paille dans ma génoise chocolatée. Jusque-là, c'est assez facile, je vous suis. Maintenant, je prends de la crème glacée, légèrement fondue.
Et je pense que vous devinez ce que je vais faire. Pas vraiment. Je crois que si. Non, je ne sais jamais ce que vous allez faire. Voilà, c'est fait. Parfaitement étalé dessus. Et je recouvre le tout d'une autre tranche de génoise. Waouh, elle sort facilement du plat, incroyable. Ouais, elle n'a pas du tout adhéré au plat. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre le tout dans le congélateur. Et bien entendu, j'en ai déjà un de prêt. Ouais, bien sûr. Il a belle allure. Vous ne savez toujours pas ce que c'est ? Ah, je crois que j'ai ma petite idée. Ça se démoule bien. Bien sûr, ça vient même très bien. Rien ne reste collé. Je ne suis jamais déçu. Oh, on dirait que vous faites une sculpture glacée. On peut dire ça comme ça. On peut dire que vous avez fait là la génoise glacée la plus grande qui soit. J'ai pas raison? Voilà. Vous en croquez un morceau? Vous êtes sérieux? Allez-y, je ne plaisante pas. Oh mon Dieu. J'étais sûr que vous vous jetteriez dessus. C'est juste un sandwich à la glace. On se revoit bientôt, j'y vais. Et vous l'emportez avec vous. Bye. Ici, dans notre laboratoire de test, nous recevons des tonnes de questions. On nous demande la différence entre une cocotte, un four hollandais, un plat à rôtir. Nous avons commencé nos tests par des sucreries. On a réparti de la pâte à pancake sur plusieurs plaques de cuisson. On les a disposées de façon à s'assurer qu'ils seraient cuits de façon homogène. Nos préférés ont été cuits avec Wonder Cooker. Ensuite, nous avons voulu bien comparer l'efficacité de leur surface anti-adhérente. On a versé de la pâte et on les a mis au four. En les sortant du four, on les a laissés reposer quelques secondes avant d'essayer de démouler le gâteau. Deux sur les trois restaient collés au moule. Celui de Wonder Cooker est sorti très facilement. Nous avons aussi testé la polyvalence de ses batteries de cuisine. La plupart des ustensiles de cuisson ne le sont pas. Le Wonder Cooker est doté d'une magnifique plaque à induction qui rend la cuisine agréable. Et comme vous pouvez le constater, notre viande en ressort superbement bien braisée. D'après nos tests, un seul de ces plats a répondu à tous nos souhaits. C'est ça la polyvalence du Wonder Cooker de Copper Chef. Avec lui, il n'y a rien que vous ne pouvez faire. Notre laboratoire de test l'a testé pour vous. Vous avez des plats, des poêles et des appareils de cuisson à ne plus savoir qu'en faire? Vous en utilisez un pour rôtir, un pour griller et un autre pour servir? Ils prennent trop de place et les nettoyer est toujours un calvaire. Eh bien, vous pouvez les remplacer tous par celui-là d'une grande marque américaine spécialisée dans la batterie de cuisine et élu meilleur produit de l'année dans sa catégorie. Copper Chef vous présente son tout nouveau Copper Chef Wonder Cooker. C'est à la fois une rôtissoire, un four hollandais, une marmite, un panier à légumes. C'est le premier multicuiseur au monde, extra large et anti-adhérent, doté de 14 fonctions. Faites cuire sur votre cuisinière et dans votre four. Faites rôtir à la perfection cette grosse dinde dans votre four et faites la sauce dans le même plat sur la cuisinière. Il remplace à lui seul toute votre batterie de cuisine. Faites rôtir jusqu'à 6 coquelets farcis, 6 croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Fermez le couvercle et ça devient un four hollandais. Il garde toute la vapeur et la saveur à l'intérieur. Il est parfait pour faire mijoter de la viande et même pour faire cuire du pain. Vous pouvez faire rôtir un très gros jambon dedans et transformer le couvercle en rôtissoire pour les plats d'accompagnement. Et il peut aussi servir de poêle à frire. Génial pour les steaks et le fromage fondant. Wonder Cooker est en fonte d'aluminium, plus épaisse que celle de nos concurrents. Il est donc à la fois très résistant et léger, et notre innovante plaque à induction en acier inoxydable des deux côtés chauffe le feu tout rapidement et uniformément. Vous pouvez donc bien saisir la viande. Et comme vous cuisinez avec Céramitech, une formule de céramique anti-adhérente, rien ne colle. Regardez comme ce brûlé s'enlève facilement, incroyable! Même tout ce sucre brûlé n'est pas un problème pour la Céramitech. La Céramitech résiste à de très hautes températures. Il est 100% sans produits chimiques PTFE ni PFOA. Sa plaque à induction le rend idéal aussi bien pour les cuisinières à gaz, électriques, en vitrocéramique ou à induction. Et surtout, le Wonder Cooker de Copper Chef passe au lave-vaisselle. Placez la partie la plus profonde sur une plaque à induction et il devient une mijoteuse. L'ensemble de pièces Wonder Cooker est doté de 14 fonctions. Le bœuf cuit à l'étouffée est très tendre. Faites un chili bien relevé pour une grande tablée, des steaks grillés comme par un pro. Et vous avez une surface anti-adhérente idéale pour votre barbecue. Faites cuire jusqu'à 16 aiguillettes de poulet. Faites frire des aliments croustillants comme des rondelles d'oignons farcies au fromage ou des gâteaux selon la recette d'Eric Tess. Vous pouvez remplacer toute une batterie de cuisine qui vous coûterait très cher par un seul Wonder Cooker. Est-ce que vous aimez le poulet rôti? C'est un de mes plats préférés. Alors, regardez ce que je vais vous montrer. Voici un panier à rôtir. Génial. Vous avez vu ça? Il est incroyable pour rôtir tout ce que vous voulez. Il faut une température de plus de 300 degrés pour une peau très croustillante. Vous voyez cette peau sur le dessus, croustillante à souhait. C'est très facile à obtenir et on peut savourer un formidable poulet rôti. Très bien. Qu'est-ce qui est excellent avec le poulet rôti? À peu près tout, non? Des épis de maïs. Des épis de maïs? Eh oui. Oh, j'adore ça en plus. Et maintenant, passons à autre chose. Voici la façon la plus simple de faire des burgers au fromage. Mais ça doit prendre un temps fou, non?
Mais non, regardez ça. Voilà exactement comment il faut que le fromage des burgers soit. Je n'arrive pas à croire que ce fromage ne soit pas cramé et collé au fond. Et ce serait difficile de nettoyer si nous n'avions pas une plaque en céramique. Ah oui. Et voici la façon la plus simple de mettre des oignons sur le dessus de vos burgers. Oh, parfait. On ajoute de la même façon les cornichons. Ensuite, on met du ketchup. Il n'y a pas de burger sans ketchup. Ça, c'est bien vrai. On le répartit bien pour que tout le monde en ait. Et là, on peut mettre le pain à burger dessus. Et vous en faites plusieurs à la fois. C'est pratique, hein. Il ne me reste plus qu'à les couper. Et donc, en un temps record, vous avez fait 24 mini-burgers. Je vais goûter ça tout de suite. Voilà pour vous. Merci, très bien. Ma goûteuse professionnelle. C'est ça. Et ça ne me déplaît pas. Allons-y. Ils sont super. Extraordinaire. Alors, prête pour des brownies? Oui. Qu'en dites-vous? Je les trouve magnifiques. Voilà de la crème au chocolat et de la pâte à cookies. Je vais mettre directement la pâte à cookies sur le chocolat. C'est plus simple en effet de faire comme ça. Le chocolat est dessous. Il reste assez de place pour en mettre encore. Un tout petit dernier peut encore entrer ici. Et ça va gonfler à la cuisson. Et pour finir, je recouvre de beurre. Du beurre chocolaté. Du chocolat et encore du chocolat. J'en ai de l'eau à la bouche. Et il ne me reste plus qu'à mettre dans le four. Celui-ci va dedans. Et cette beauté en ressort, voilà. Oh, ça sent délicieusement bon. Je sais que ce que vous préférez est le milieu. C'est vrai. En fait, j'aime tout dans le brownie. Et que dites-vous de ça? C'est un assez gros morceau pour vous? Pas sûr, j'en reprendrai peut-être une autre part. Non mais sérieusement, regardez ça. Oui, oui. C'est si appétissant. Je pensais vous en donner la moitié, mais finalement, je ne crois pas. Vous savez à quel point j'aime la facilité. Et je sais que tout le monde peut s'en servir tous les jours. Le Wonder Cooker de Copper Chef est le plat de cuisson le plus polyvalent. Pour être sûr que c'est un Wonder Cooker de Copper Chef, vous pouvez vérifier que c'est bien signé Copper à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, profitez de notre offre exceptionnelle et commandez dès aujourd'hui. Vous avez des plats, des poêles et des appareils de cuisson à ne plus savoir qu'en faire? Vous en utilisez un pour rôtir, un pour griller et un autre pour servir? Ils prennent trop de place et les nettoyer est toujours un calvaire. Eh bien, vous pouvez les remplacer tous par celui-là d'une grande marque américaine spécialisée dans la batterie de cuisine et élu meilleur produit de l'année dans sa catégorie. Copper Chef vous présente son tout nouveau Copper Chef Wonder Cooker. C'est à la fois une rôtissoire, un four hollandais, une marmite, un panier à légumes. C'est le premier multicuiseur au monde, extra large et anti-adhérent, doté de 14 fonctions. Faites cuire sur votre cuisinière et dans votre four. Faites rôtir à la perfection cette grosse dinde dans votre four et faites la sauce dans le même plat sur la cuisinière. Il remplace à lui seul toute votre batterie de cuisine. Faites rôtir jusqu'à 6 coquelets farcis, 6 croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Fermez le couvercle et ça devient un four hollandais. Il garde toute la vapeur et la saveur à l'intérieur. Il est parfait pour faire mijoter de la viande et même pour faire cuire du pain. Vous pouvez faire rôtir un très gros jambon dedans et transformer le couvercle en rôtissoire pour les plats d'accompagnement. Ou empiler-les pour faire rôtir dessus et braiser en dessous, le tout en même temps. Et il peut aussi servir de poêle à frire. Génial pour les steaks et le fromage fondant. Wonder Cooker est en fonte d'aluminium, plus épaisse que celle de nos concurrents. Il est donc à la fois très résistant et léger, et notre innovante plaque à induction en acier inoxydable des deux côtés chauffe le feu tout rapidement et uniformément. Vous pouvez donc bien saisir la viande. Et comme vous cuisinez avec Ceramitech, une formule de céramique anti-adhérente, rien ne colle. Regardez comme ce brûlé s'enlève facilement. Incroyable! Même tout ce sucre brûlé n'est pas un problème pour la Ceramitech. La Ceramitech résiste à de très hautes températures. Il est 100% sans produits chimiques PTFE ni PFOA. Sa plaque à induction le rend idéal aussi bien pour les cuisinières à gaz, électriques, en vitrocéramique ou à induction. Et surtout, le Wonder Cooker de Copper Chef passe au lave-vaisselle. Placez la partie la plus profonde sur une plaque à induction et il devient une mijoteuse. L'ensemble de pièces Wonder Cooker est doté de 14 fonctions. Le bœuf cuit à l'étouffée est très tendre. Faites un chili bien relevé pour une grande tablée, des steaks grillés comme par un pro. Et vous avez une surface anti-adhérente idéale pour votre barbecue. Faites cuire jusqu'à 16 aiguillettes de poulet. Faites frire des aliments croustillants comme des rondelles d'oignons farcies au fromage ou des gâteaux selon la recette d'Eric Tess. Vous pouvez remplacer toute une batterie de cuisine qui vous coûterait très cher par un seul Wonder Cooker.